Salut à tous, merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en 2024. Je rappelle, c'est une année de grâce parce qu'en République démocratique du Congo, nous allons avoir la joie d'accueillir nous, chrétiens, catholiques, et pourquoi pas l'ensemble de notre peuple, nous allons avoir la joie d'accueillir quatre nouveaux bienheureux martyrs. Nous en avons deux déjà, que vous connaissez très bien, la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarite Nengapeta, une religieuse morte à 25 ans. Elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II à Kinshasa le 15 août 1985. Un deuxième bienheureux, un jeune laïc de 22 ans, Isidore Bakanja, béatifié en 1994 par le même pape Jean-Paul II, c'était à Rome. En cette année de grâce 2024, nous allons avoir la joie de compter quatre autres bienheureux martyrs pour l'Église de notre pays. Je me trouve chez les missionnaires zavériens à Kinshasa, Limete, Kinshasa, Kingabwa, et un zavérien va nous parler de ces quatre nouveaux martyrs. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes Turco Faustino, n'est-ce pas? Alors, ces quatre nouveaux bienheureux martyrs que j'annonce, qui sont-ils? C'est d'abord l'abbé Albert Joubert, prêtre congolais, puis Vittorio Faccine, Luigi Carrara, Giovanni Bidonet, abbé Joubert et trois missionnaires zavériens. Luigi Carrara e Giovanni Di Donette del prêtre, Vittorio Faccini del frère. J'ai annoncé qu'ils vont être béatifiés en cette année 2024. Quand exactement? La béatification aura lieu le 18 août à Uvira. Qui va les béatifier? Jean-Paul II n'est plus là. Ouais. Ce n'est pas le pape François non plus. François a choisi son représentant à la personne de son éminence, le cardinal Fridolin Ambrosio. Donc, rendez-vous le 18 août à Uvira, dans la province du Sud Kivu. Mais on n'y va pas, il n'y a pas la guerre là-bas? Tout le monde se pose cette question, mais c'est une nouvelle qui a une grande espérance pour la population, qui depuis la mort de ces vénérables martyrs a toujours eu eux comme référence. Et ils sont considérés comme les ancêtres de la foi dans cette partie du diocèse de Vira, puisqu'ils ont été tués au commencement, on pourrait dire, de la paroisse de Fizi et de la paroisse de Baraka. Alors pour nous qui ne sommes pas du Sud Kivu, qu'est-ce que nous avons comme référence? Le lac Tanganyika? Exactement. Le pays voisin, le Burundi? Donc nous sommes à Sud Kivu et Baraka est une paroisse fondée en 1948
et elle est juste au lac, au rivage du lac Tanganyika. Celui qui est à Baraka voit la presqu'île de Lubwari et au-delà de Burundi. Alors, vous-même, Turco Faustino, qui êtes-vous pour nous parler, pour être celui qui doit nous parler de ces martyrs? Je suis missionnaire Xavier, vous l'avez dit, au Congo depuis 1998. Et j'étais vice-postulateur au moment de l'enquête diocésaine, quand la cause de béatification a commencé en 2016 à ouvrir. Actuellement, je suis le postulateur général et je suis la cause dans la phase romaine. Turco Faustino, vice-postulateur, puis postulateur. Qu'est-ce que ça veut dire, postulateur? C'est un service ecclésial. Le postulateur est celui qui demande. Il se fait, représentant d'une demande de la part du peuple de Dieu, qui a reconnu dans les serviteurs de Dieu une vertu particulière. Il y a une renommée de sainteté reconnue par le peuple, de sainteté, de vertu héroïque et de martyr. Alors le postulateur est celui qui accompagne le désir de peuple de Dieu avec l'évêque, dans ce cas-ci l'évêque d'Ouvira, et l'essentiel, Monseigneur Mouyeng Sébastien Joseph. C'était donc avec lui que le peuple de Dieu a fait cette demande. Exactement. Profitons aussi de cette occasion pour le saluer, pour le remercier. C'est un moment très beau pour son église d'Ouvira. Alors dites-nous, vous parlez des demandes du peuple de Dieu. Ce n'est pas l'évêque qui dit, tiens, j'ai eu tel prêtre, il y a eu tel prêtre dans mon diocèse. Vous avez insinué que la demande serait venue du peuple de Dieu. De quoi s'agit-il? Parce que dans ce pays, il y en a eu beaucoup de missionnaires qui ont subi un traitement pareil à celui de ces quatre bienheureux martyrs. D'abord, je dirais, une cause n'exclut pas tant d'autres qui pourraient être ouvertes demain après-demain. Ici, nous avons constaté, dans le cas spécifique de ces quatre martyrs, une renommée de sainteté et de martyr constante dès après leur mort, donc en 64. Dès que cela était possible, ils ont été exhumés pour que leur corps puisse être mis dans l'église sans culte particulier, mais qu'ils soient mis en valeur. Et voyez-vous, les curés qui ont suivi la gestion de Baraka et de Fizi, entre autres un, c'est bien, ici à Kinshasa, on le connaît très bien, le père Palmiro a été curé à Baraka juste après la mort de son frère. Le père Palmiro, qui était curé à Saint-Pierre-du-Simpassa, c'était il y a 2 ans. Et voilà, ils avaient l'habitude de baptiser les nouveaux chrétiens sur le lieu même où les confrères ont été tués, pour signifier que le sang des martyrs est vraiment la semence des nouveaux chrétiens. Et c'était même vécu de manière littérale. Donc le fond baptismal pour une dizaine d'années avait été fait à l'extérieur de l'église, dans l'endroit où le confrère avait été tué. Ok, voilà. Nous avons maintenant le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec chacun de ces quatre? Les trois Xavériens étaient très jeunes, de 30 à 34 ans. Et il y a un parmi eux qui était venu 2 ans avant, donc en 1962, et les deux autres en 1959.
au Congo. Donc, ils ont fait de 2 à 5 ans de vie missionnaire dans le pays. Ils sont un modèle de jeunesse active dans l'annonce de l'Évangile. Et l'abbé Joubert avait 54 ans quand il est décédé. Puis il venait de... Actuellement, on l'appelle Moba Saint-Louis. Et donc nous sommes dans la province de Tanganyika. En ce moment-là, c'était un seul grand diocèse qui quittait Bodoinville, de Kirumbu, et jusqu'à Kasongo. Et donc il a été abbé de ce grand vicariat apostolique, lui a été ordonné en 1935. Il est le 15e prêtre de la zone est, disons, du pays, dans le registre d'ordination. Et puis est devenu abbé du diocèse de Kasongo quand le diocèse d'Uvira a été érigé en 1962, lui se trouvant dans le territoire qui a été cédé au diocèse d'Uvira, il est devenu abbé d'Uvira. Donc nous le vénérons aujourd'hui comme martyr du diocèse d'Uvira, mais en même temps il est de Kalemikirumbu, il est de Kasongo. Donc en sachant même que cet abbé, son papa était français, sa maman était congolaise, lui il est congolais de nationalité, il est l'expression même d'une église interculturelle. Il a choisi, après avoir été libéré du cachot à Fizi en septembre 1964, il a choisi de rester avec notre confrère et le curé de Fizi, le père Giovanni, parce qu'il était resté seul. Et donc on va s'entraider. Lui, il aurait pu fuir une fois libéré du cachot. Il aurait pu fuir au Burundi. Il a dit non, continuons l'œuvre d'évangélisation. Le moment est fort et décisif. Les brebis demandent que leur pasteur soit présent. Voilà pour M. l'abbé Joubert et les trois Avériens, si jeunes. Alors, nous avons dit que le père Giovanni était le curé de Fizi. Il fut le tout premier curé de cette nouvelle paroisse, fondée en 62-63. Et il y avait le frère Vittorio Faccin. Lui, il a fait sa profession perpétuelle au Congo. Il a choisi d'être frère et c'est un choix mûri, discerné. Et comme frère, il suivait d'une part les chantiers de la nouvelle église de Baraka, mais il tenait aussi à avoir une relation pastorale dans les chorales. Il était un des premiers animateurs du mouvement Xaveri au niveau de l'Ubembe, donc de la zone de Baraka de Fizi. Et puis le père Luigi Carrara, très jeune, qui a porté un souvenir très beau, parce que très respectueux de la culture, du moment historique. Il est arrivé après l'indépendance au Congo. Et voilà, la dernière chose qu'il a faite avant d'être tué, il a confessé deux mamans. Et quand il a entendu les coups de fusil qui ont tué le frère Vittorio, ben lui il est sorti vers les bourreaux avec l'étole violette et il s'est agenouillé devant les menaces du bourreau. Il s'est agenouillé devant son frère comme pour prier pour lui. Et c'est dans cette position-là, à genoux, qu'il a été tué. C'était en 1964, il y a 60 ans. C'est loin, ce n'est pas loin dans l'histoire. Qui les avait tués et pourquoi? On n'avait pas dit ça. Alors, tous ceux qui nous écoutent savent que quand il y a une violence, la violence est toujours difficile.
difficile à expliquer en termes humains, parce que ça vient du monde des ténèbres. Et celui qui a mis la main sur ces quatre jeunes, son nom est connu dès le début et actuellement, même à Baraka Fizi, on les connaît. Et moi, je tiens à dire qu'à la fin de sa vie, il a demandé pardon auprès d'un abbé qui est venu témoigner avant l'ouverture du procès. Et moi, j'ai reçu cet homme à plusieurs dizaines de kilomètres de distance de l'endroit, mais il m'a dit que Dieu me pardonne parce que j'ai tué des serviteurs de Dieu. Et c'était dans l'endoctrinement de la période de Mulele, de Simba. Alors parmi les Mulele, 64 donc, il y avait des partis. Ceux qui comprenaient l'action des missionnaires et qui les protégeaient même, et d'autres qui étaient contre vraiment la foi, contre l'Église, contre les valeurs chrétiennes, surtout celles du pardon, de l'amour réciproque, le fait de ne pas se venger et d'aller contre donc, cette action de guerre. Et voilà, 60 ans après, le Saint-Père François accepte que ses quatre frères soient présentés, nous soient présentés comme des modèles de foi, de charité. Et vous nous avez dit, c'est le 18 août, que son éminence, le cardinal Fridolin Mbongo, au nom du Saint-Père François, va les proclamer bienheureux, martyrs. N'est-ce pas, mon père ? C'est bien ça. Qu'est-ce que nous devons savoir Le 18 août est le moment de la déclaration de ces quatre, donc Abbé Joubert, Giovanni Dudonnet, Luigi Carrara, Vittorio Facini. Ils seront déclarés officiellement bienheureux. Le pape François a déjà signé le décret du martyr. Donc le martyr a déjà été reconnu et déclaré. Alors, dans la célébration du 18 août, qui commencera au sein de la messe avec le Kyrie, donc l'acte pénitentiel, mais avant le Gloria, entre l'acte pénitentiel et le Gloria, il y aura le rite de la béatification, avec la lecture de la lettre apostolique du pape, puisque Mbongo est le représentant du pape à Uvira, et puis la procession de reliques des quatre martyrs, et puis le chant d'action de grâce. Et suit la messe comme d'habitude, mais dans un climat de fête. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir en plus? C'est le moment maintenant de chercher à connaître ces figures, ces personnes. Alors, un moyen facile, c'est d'entrer dans les sites avec vos moteurs de recherche des missionnaires xavériens, direction générale, la voie martyr. Vous pouvez donc retrouver la vie en plusieurs langues de ces quatre martyrs. Et puis, comment est-ce qu'il faut se préparer? Aussi, dans notre pays, il y a des martyrs, ils sont aussi nos intercesseurs. Si l'Église déclare les martyrs, déclare certains bienheureux, c'est en pensant à tant d'autres, mais aussi c'est pour nous offrir des intercesseurs. Alors profitons pour présenter aussi nos supplications, nos demandes. Nous vivons parfois des situations semblables aux leurs, des persécutions, d'injustices.
faisons recours aussi à leur intercession pour que le Seigneur puisse nous offrir sa grâce. Leur tombeau, on le connaît? Leur tombeau est dans l'église. Alors, les deux qui ont été tués à Baraka, Faccin et Carrara, ils se trouvent à l'intérieur de l'église de Baraka. Et ceux qui ont été tués à Fisi, Joubert et Didonet, leur tombeau est dans un mausolée à l'intérieur de l'église. Voilà. Deux noms de villes, Fisi et Baraka, connus en République démocratique du Congo, dans l'Est, dans le Sud Kivu. Voilà deux noms de localités qui vont devenir plus célèbres que jamais dans notre pays parce que là se trouvent nos intercesseurs. Merci beaucoup, mon père Turco Faustino, postulateur. On doit apprendre à enrichir son vocabulaire avec des termes comme celui-là, postulateur. Eh bien, nous aurons à apprendre également à ajouter à Isidore Bakanja et Marie-Clémentine Anuarité quatre autres noms dans notre pays, dans notre église, en cette année de grâce 2024. Nous attendons et nous serons tous de cœur avec nos frères et nos sœurs qui seront présents là, autour de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, légat du Saint-Père François, pour la grande fête de notre église en cette année. Merci mon père. Merci Père Jean-Baptiste, et salutations et nos remerciements à tous ceux qui nous suivent. Comme le bain, 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 comme le bain